Nous avons maintenant Rima prière derrière Rima Ayadi, une Amazon de Tomodan. À 26 ans, Rima enchaînait les petits boulots, avait 22 kilos de trop et détestait le sport. Il a découvert par hasard la boxe anglaise et c'est le coup de foudre. Elle devient championne de France à 3 ans, puis gagne 2 années de suite la ceinture du WBA continental que vous pouvez voir devant vous. Rima continue aujourd'hui à écrire son histoire parce qu'elle s'entraîne pour le championnat du monde EMGM à Las Vegas et évidemment pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. De Rima, il y a vraiment une question qui taronne tout le monde. Comment as-tu découvert la boxe et pourquoi cette passion? Alors j'ai découvert la boxe sur le tard, donc à 26 ans, en 2016. À cette époque-là, j'ai 22 kilos de plus. Je suis serveuse dans des restos le week-end, chauffeur Uber, donc des petits boulots à gauche, à droite. Mmh. J'ai quelques épreuves difficiles dans ma vie à ce moment-là, dans ma vie perso, familiale, vraiment des épreuves très dures. Donc, j'avais pas trop le moral, mais je me débrouillais dans des petits boulots. Et à force de servir une équipe de boxeurs qui venaient manger régulièrement, avec qui j'avais sympathisé, au bout d'une dizaine de fois qu'on me demande de m'intéresser à ce qu'ils font et d'aller voir l'entraînement, j'y suis allée, mais plus pour faire plaisir, mais sans trop de conviction. Mmh. Et c'est de ce jour-là que j'ai eu ce fameux coup de cœur. D'accord. Mais qu'est-ce qui te fait de la boxe? Ce jour-là où je découvre la boxe? Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, ça m'apporte tout, ça m'apporte confiance en moi. Aujourd'hui, quand je vais dans un endroit, je me sens forte, je me sens sereine, je me sens bien dans mes baskets. Car au-delà des titres, même si c'est très beau de ramener des très belles ceintures comme ça, mais c'est le parcours qui a été magnifique, c'est tout ce que j'ai pu supporter sans abandonner, même si j'ai eu beaucoup de fois envie d'abandonner. Et c'est tout le parcours que j'ai réussi pour moi à accomplir jusqu'ici qui fait que je me sens femme très forte aujourd'hui. Génial. Oui. Et j'avais envie de partager avec toi un cliché que j'entendais régulièrement concernant les femmes de la boxe. C'est le physique abîmé. Et qu'il y a d'autres clichés. Alors déjà, sur le physique abîmé, ça c'est clair. Il n'y a pas un seul jour où je me présente à un inconnu en disant que je suis une boxeuse, où on ne me dit pas « Ah, t'as pas le nez cassé » ou alors le cliché de « Oh, mais t'es féminine !» Parce que souvent, on pense que la boxeuse est un garçon manqué, est habillée tout le temps en jogging, vraiment limite à l'image d'un camionneur. Pour certains, c'est vraiment ce qu'on m'a dit. Et donc, il y a ce cliché-là. Après, il y a aussi plein d'autres clichés. Vraiment, la boxe, on est victime de beaucoup de clichés, nous, les femmes. Comme, mais du coup, ton mari n'a pas intérêt à te chercher. T'es pas trop violente à la maison. Bon, voilà, ce genre de choses. Faut pas te chercher dans la rue. Bon, ça, c'est au quotidien, quoi. Ouais, imagine. Ouais. Et du coup, quels sont aujourd'hui tes secrets de championne? Parce que toi, quand même, étais très rapide dans ta progression. Alors, c'est vrai que le parcours, il a été très, très rapide et fulgurant. Mais déjà, le secret, forcément, c'est le travail. Ça. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui pensent qu'en travaillant beaucoup, on peut y arriver. Alors, travailler énormément, c'est obligatoire. Mais il y a d'autres choses à côté, comme l'entourage et comme aussi, je dirais, la visualisation. C'est-à-dire que j'ai besoin de me convaincre que je vais y arriver. J'ai besoin d'imaginer ce moment-là où je vais rentrer en équipe de France. Je l'anticipe et en l'imaginant, je trouve qu'il arrive. C'est un peu la loi de l'attraction. Je visualise les matchs, je les imagine avant de les faire. Je visualise le jour où je vais avoir un grand titre alors que pour l'instant, j'en ai pas. On n'est pas très loin. Ah non, à ce moment-là, j'en avais pas. Maintenant, j'en ai. Donc, je travaille beaucoup sur ça, sur les images et la visualisation. Je me parle beaucoup à moi-même. Je me souviens qu'un jour, j'ai signé un contrat avec moi-même. Voilà, j'ai imaginé cette scène. Parce qu'il y a des fois où on rentre, c'est dur. Je suis déjà rentrée de l'entraînement en pleurant. Une fois, après un entraînement, on s'est un peu moqué de moi. On m'a demandé d'arrêter. On m'a demandé de me décourager parce qu'apparemment le travail était trop compliqué à accomplir pour réussir à faire de la compétition. Et ce jour-là, c'est un grand champion qui m'avait dit que j'y arriverais jamais.
Alors je suis rentrée chez moi en pleurant parce que je l'admirais. Mais j'ai décidé à ce moment-là de sécher mes larmes et de me dire « Ok, tu vas signer un contrat avec toi-même parce que tu savais très bien que le chemin allait être compliqué et semé d'embûches. Alors tu vas décider d'accepter ça et qu'à chaque fois que tu auras des personnes comme ça qui vont te mettre le doute ou te tirer vers le bas ou te faire croire que tu n'as pas ta place, rappelle-toi de ce contrat que tu as signé. » Et ça marche parce que souvent, après ça, j'ai eu des moments compliqués, difficiles, des moments de doute. Et je me rappelle de ce fameux contrat que j'ai signé. Je disais, ah, mais c'est le jeu. Tu as signé, donc tu acceptes et tu continues et tu retournes au boulot. Et tant mieux. Oui, parce que vraiment, tu as un parcours admirable. Merci, merci beaucoup. Et tu as créé une association appelée Premier Round. Oui. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important pour toi de développer la boxe dans les quartiers populaires, auprès des jeunes, auprès des femmes? Bah, je suis partie d'un constat où à l'époque j'étais simplement coach avec de certaines associations et j'allais donner des cours dans les quartiers ou j'allais donner des cours dans la salle où je m'entraînais auprès de mamans des quartiers d'à côté, dans le 78. Et j'ai vu tout ce que ça leur apportait, tout ce que ça leur procurait. Déjà, j'avais un groupe de filles que je suivais et de temps en temps, j'étais obligée de les abandonner pour partir en stage d'équipe de France. Mmh. Et je recevais tout le temps des messages en me disant « Quand est-ce que tu reviens? J'ai besoin de me défouler. » Et j'ai compris que grâce à mes cours, grâce à la boxe, elles pouvaient évacuer plein de choses qu'elles gardaient en elles. Mmh. Voilà. Et ma force aussi, c'est que j'ai appris qu'elles pensaient, juste avant de me rencontrer, qu'elles n'avaient pas le droit de faire de la boxe, que c'était vraiment un sport d'hommes. Dédié à eux et qu'elles, si elles voulaient se défouler, il y avait la danse, voilà. Mais que grâce à moi, elles se sentent légitimes dans cette place-là. D'accord. Et quand j'ai constaté ça, je me suis dit, je ne peux pas le garder pour moi et ce petit groupe, il faut que je le partage au maximum. Mm. À plein de femmes, plein de jeunes aussi, hein, parce que les jeunes qui font du sport, on sait très bien que ça leur apporte une discipline, une assiduité, et donc j'ai voulu les sensibiliser à ça. De toute façon, la boxe ou le sport n'a plus ses preuves à faire. Donc, plus on l'amène à un grand nombre, et mieux c'est, quoi. D'accord. Mais c'est vraiment génial comme ça, parce qu'effectivement, en tant que femme, on a parfois besoin de se défouler et de se connecter à notre part masculine. Oui. Et j'avais envie de te demander, pour le mot de la fin, que tu avais envie de partager justement à toutes ces personnes qui, comme toi, ont de grands rêves, mais sont paralysées par la peur. Alors, j'ai envie de leur dire que forcément, il y a une voix intérieure. Il y a une voix en eux qui leur parle et qu'il ne faut surtout pas l'enterrer. Parce que souvent, on a des grands projets. D'ailleurs, les grands de ce monde qui ont réussi se sont écoutés. Eux aussi ont eu des barrières. Eux aussi ont eu un entourage, peut-être, qui les ont découragés. Ou des chutes, peu importe. Mais cette voix intérieure qui nous pousse à se lancer dans un secteur, un domaine, peu importe, que ce soit le sport, que ce soit le business, peu importe, généralement, elle est bonne et il faut l'écouter. Parce qu'on a tendance à trop demander conseils aux autres. Et à écouter la voix intérieure des autres. Mais ça n'est pas la nôtre. Mmh. Donc, moi, le conseil que je peux donner, c'est que cette petite voix qu'on a en nous, il faut vraiment lui donner de l'importance, l'écouter et tenter. Généralement, ça marche. Et puis, même si ça ne marche pas, au moins, on sera allé au bout, on aura tenté. Parce que c'est difficile d'avoir des remords. Magnifique. Donc, merci beaucoup, Rima, pour cette très belle leçon de vie. Avec plaisir. Et vraiment. On a envie de te voir gagner. Alors, je vous invite tous à la suivre sur les réseaux sociaux et à lui envoyer toutes vos bonnes positives. Merci, merci Virginie. Et c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un joli moment avec nous. Et à très vite pour la prochaine édition.